Bonjour, m'espérer que nous tous n'aimons bien avec bon Dieu et m'espérer aussi que nous t'ai étudié, que nous t'ai travaillé, que nous t'ai mis en pratique, c'est ça que nous t'ai connu déjà yo, pour nous qu'avons mis l'autre bagage dans tête nous. Aujourd'hui, nous allons parler de article indéfini, ok? Et avant de continuer, m'a dit nous pas oublier abonner, pas oublier partager avec yo l'autre monde qui besoin apprendre ni et ceci en créole parce que ka gen plusieurs chaînes, ka gen plusieurs façons côté pour nous apprendre ni, mais des fois li konn bien le garder plusieurs chaînes, plusieurs moun différents parce que chaque moun nan vinn anmi, chaque moun vinn anmi méthode différent, chaque moun gon jan ke l bay li qui très 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 nécessaire et pas arrêt focus son seule page et pas ça vraiment qui pral fait comme sou apprendre ou ka aller sur plusieurs pour ka mettre en pratique pour qui est-ce qui arrive sur ou plus ça ka arrive ou pas comprendre moins et ou comprendre l'autre chaîne ben on nous passer dans commencement courant de article indéfini en anglais. Article indéfini en anglais. Article indéfini. Qui est nous ka utiliser article indéfini? OK. Avant de commencer, pas oublier que article indéfini en anglais devant consonne normalement nous mettez e. OK? E qui c'est a et nous mettez le devant consonne devant yon h aspiré devant y ou soit one devant son rien et devant yo ou ka mette ou ka employé ea, OK? Normalement lo wè consonne wè b c d f jusqu'à arriver à z et n lui-même ou mettez le devant voyelle, OK? C'est devant voyelle, li c'est a n, ou mettez le devant voyelle. Ou mettez le devant un H muet et gion l'autre exception mais n'a commencé avec A et N. Normalement, nous pral prendre un exemple comme devant tout nom concret, OK, devant un nom concret et quand on va désigner qualité que plusieurs monde possédait, OK, et ou soit yon opposition, OK, opposition, excusez-moi, opposition. Et par exemple, si nous prenons John's sister is a nurse, John's sister is a nurse, ce John là c'est un infirmière, OK. Là, pour qui ça c'est et à mettre, normalement parce que li trouvé le devant yon consonne. OK? Côté que travail moun nan fait, OK, métier, carrière moun nan, et ça moun nan fait comme travail là qui c'est nurse, qui c'est infirmière, li commencé en anglais, moi commencé par yon consonne. OK? On allait pour pi devant. Devant yon attribut, OK? C'est comme si de qui est qui suivi donc complément de lieu, de temps. Des fois nous pas mettre article là, OK, on pas besoin mettre article là. Prenons par exemple, OK, les noms employés et normalement faut nous connaître qui gain côté. Normalement gain deux phrases n'a fait nous pas besoin mettre ni article défini ni indéfini. OK, tant que si c'est les noms qui attribué à et suivi de un complément de temps ou de lieu, OK, ou pas besoin mettre article. Normalement si comme si m'a dit Jeanne is a reporter in Sydney, OK, c'est que Sydney a déjà indiqué yon lieu. Ça veut dire m'pas besoin utiliser article
indéfini là du tout. Et si c'est de yon attribut, li devan yon attribut qui désigne yon qualité, OK? Qui désigne yon qualité et on bagay kap changer, OK? Yon bagay kap changer ou bien OK, pa gen ken changement périodique qui pral fait à propos de ça. Normalement, ma ka utilise article défini en la donne. OK? Mais nous pas trop été sur ça parce que c'est sous article indéfini en a parlé pour moment actuel là. On continue. Devant tout nom concret qui précède et qui gen double attribut, normalement, ma employé article indéfini. Prenons par exemple, Jim is a scamp of a boy. OK? Devant, tenez bien, oui, ça me dit. S'il avec double attribut et non en précédé, OK? Devant un nom concret qui précédé yon préposition, n'a utilisé article indéfini. Jim c'est yon voyer, son garçon qui vaut rien, OK? Son petit garçon qui vaut rien, OK? Ça veut dire déjà Jim is a skin off, OK? Et me préciser ce que son garçon y est. A boy. Traduction pas même genre ça fait toujours dire nous faire attention. Si n'a chercher pour nous traduire mot à mot pas bon parce que là nous pas traduire mot à mot parce que garder traduction comment le fait Jim c'est un vaurien son garçon vaurien OK Jim son garçon vaurien ça veut dire moi pas capable dit le mot à mot ben si c'est en français m'a dit Jim est un vaurien de garçon OK non pas y a plusieurs un non. Notre traduction sont seuls ou tandis. Avec dit fais attention, pas traduire mot à mot pour moun kap ki gen envie traduire mot yo non. Faut moi aller slowly et ça fait fon apprendre bagay yo pas à pas. Si n'employé. Ouais, si n'a employé article indéfini devant yon nom abstrait précédé de et de yon préposition. Si non ça li susceptible pour li pluriel ou si li complété yon préposition n'a prend nan yon exemple ka comprendre ou employé article indéfini la donne qui c'est what OK what m'a dit mot à mot pour nous ka comprendre pour nous ka attendre article là donne parce que m'pa vle aller vite et puis pour nous pas attendre même si m'a écrit nous supposé attendre parce que m'pou ka aller rapide avec même si ça on ti change même m'pou capable faire pour nous pas perturber en aller what an idea he's got in his head okay ki ite moun sa gen nan tête li. Bon, me trouver là que li très bon après ça pour moi préposition avec nous parce que vraiment et li jouer en pile pa kou nan bagay ça yo bon autre exemple nous pral prendre avant nous passer côté m'a dit nous qui c'est qui l'est employé article indéfini avec un nom concret the father of a family yon père de famille ouais de dans un sens qui pi général parfois nous pas besoin mettre article indéfini devant non concret s'il est précédé d'une préposition OK excusez-moi si nous parler de langue parce que moi-même mes amis des fois on va parler et puis traverser dans français à tout petit c'est ce qui me rend compte.